Et là, nous étions dimanche 4 août. Je suis monté à la Croix de la Libération qui domine Autun. On a donc d'ici un vaste panorama sur la ville et la région. Il était aux alentours de 10h du matin avec un ciel tout bleu. Pour commencer, on va faire un peu le tour de la ville, on va suivre une promenade le long des remparts et on aperçoit la tour des Ursulines. Nous allons maintenant longer la partie la mieux conservée des remparts. J'avais déjà fait, il y a quelques semaines, une vidéo sur Autun. Mais comme je sais que Autun intéresse de nombreuses personnes, j'ai renouvelé l'expérience, mais cette fois-ci avec la lumière du matin, le soleil, alors que la vidéo précédente, les remparts étaient illuminés l'après-midi. Nous étions donc le dimanche 4 août et ce week-end-là, c'était les journées romaines à Autun. À l'occasion de ces journées romaines, il y avait dans Autun un marché expérimental, c'est son nom. Je vous construirai prochainement une vidéo à ce sujet. Dans quelques centaines de mètres, nous allons arriver à l'extrémité des remparts et ensuite nous nous dirigerons vers les quartiers de la cathédrale. Et nous arrivons à la cathédrale sur la place du Terreau. Sur la droite, on aperçoit une jolie fontaine, c'est la fontaine Saint-Lazare. Nous voilà maintenant sur la place du Champ de Mars. Sur cette place, il y a un passage couvert, le passage Balthus. Il est actuellement en réaménagement. En face de nous, c'est le lycée Bonaparte.
En avant de nous, à droite, c'est la mairie d'Autun. Le bâtiment sur la gauche de la mairie, il me semble que c'est le théâtre municipal d'Autun. On se dirige maintenant vers le théâtre romain. À cette occasion, il y avait probablement une animation la veille, puisqu'il y a de nombreuses constructions de décors. Bon, nous, on va se centrer actuellement là, pour cette vidéo, sur le théâtre romain. Voici maintenant le golfe d'Autun. Il se trouve juste à côté du plan d'eau. Et pour terminer cette vidéo, on va aller voir le plan d'eau du vallon. Le plan d'eau du vallon, c'est une base de loisirs nautiques.